Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Et qui es-tu? Je m'appelle... Je sais pas, je me souviens pas de mon nom. Moi non plus. On était peut-être à la même soirée déguisée. Pourquoi ça clignote? Tes boucles d'oreilles clignotent aussi. Elles doivent venir du même endroit. T'as l'air de penser qu'on se connaît. Bah, le contraire serait étonnant. Wow. Qu'est-ce que c'est? Des blattes? Des souris? Des blattes souris? Oh, j'ai une faim de loup, je pourrais... Salut! Quel genre de créature vous êtes? Des génies comme celui de la lampe? Mais de quelle lampe parles-tu, jeune homme? Et d'abord, où suis-je? Et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que ce truc faisait dans ma boucle d'oreille? Je ne suis pas un truc, moi je suis... Je ne sais pas ce que je suis. Ce que je sais, c'est que j'ai très faim. Oh, pauvre petite créature. Très bien, tout le monde. On garde notre sang-froid. On a tous perdu la mémoire et on ne sait pas pourquoi, mais on va... Qu'est-ce qui se passe encore? Faut qu'on sorte de là. Tout à fait d'accord. On pourrait peut-être les aider. Pas tant que je n'aurais pas trouvé ce qui sent si bon dans la poche de ce garçon. Visiblement, on est des êtres exceptionnels, contrairement à eux. Merci beaucoup. Faut pas rester là. Les portes sont bloquées. Il va vite falloir trouver une autre issue. Ah. Là! Ok, on est prisonnier d'un immeuble amnésique et poursuivi par un truc qui a vraiment l'air de nous en vouloir. Ouais, sans parler des deux bestioles bizarres qui sont apparues quand nos costumes ont disparu. Si je puis me permettre, les bestioles ont l'estomac dans les talons. Pourrais-tu regarder ce qui sent aussi bon dans ta poche de chemise? Du camembert? J'ignore ce que c'est, mais c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Un macaron? Merci beaucoup. Marinette. Mon nom, c'est Marinette Dupincheng. Eh bien, enchantée, Marinette. Adrien Agreste. Ravi de faire ta connaissance, Adrien. Ah, mais j'y pense. Nos portables peuvent nous aider. Oui, bonne idée. Oh.